Bah, meth ou cocaïne? Sachant que cocaïne ça paye plus cher. Viens, on va prendre ma voiture. Oh putain, il m'a fait peur ce con! After, abonné, il nous suit. Oh, j'ai ma Audi. C'est qui Audi? Todo es peinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. La mec, bonne meuf de hier soir. C'est pas moi. Ah, je pensais que c'est la rouge. Ah bah pardon monsieur hein. Il va repérer là où on va. C'est du mentalisme. Ok. Il est désorienté. Vas-y, vite, 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 il est derrière. Il est derrière. Oh, il y avait des déchets ici. Oh, il y avait des déchets ici. Et c'est hyper... J'ai des lags. Putain, mais en fait, oui, c'est dur de conduire sur ce... Va dans le pont et recule. Oh, j'ai une idée, j'ai une idée. Recule, recule, recule. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Oui. Chut, bouge plus. Éteins le moteur. T'as le moteur! Comment on fait? Je sais pas. Attention, il y a de l'eau derrière. Il est là, il est là, il est là! T'es prêt? Go, 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 go! Allez, go, go, go! Comment c'est? Allez, go maison maintenant. Go maison au fond là, tout droit. T'es sûr? Bah, il y a un sous-sol. On vient de braquer, on a pas d'armes. Hein. J'ai une AK, moi, j'ai une AK. Oui, mais t'as le droit d'avoir une AK en tant que fabricant de cocaïne? Bah, je veux me défendre, donc j'ai le droit. Y'a pas marqué qu'y a pas le droit. T'achètes la maison, tu fais une petite sécu. Non, je l'ai pas acheté. Oh, c'est là! Elle est plus là, la poubelle! Oh. Oh, quelqu'un l'a pris! Quelqu'un l'a élevé, il a fait bande de salauds! Son nom est Marcia Poubelle, Pagavino. Il parle avec les autres poubelles. Je vais faire un faux mur. Il est là! Il est là! After, retourne-toi. Ne bouge pas. J'ai cru que c'était un mec. Regarde, on voit le mec. On voit le mec en face de la fenêtre. Genre un mec qui regarde et tout. Regardez, il y a de l'argent. Oh oh. J'ai fermé la clé. Ils sont devant, hein. Attends, j'ai fermé le garage à clé. Bande de connards. Non, mais tu les as déjà achetés. Ah, c'est bon, il se bat. Regardez mes couilles. Oula, qu'est-ce que t'as fait toi? Viens voir, on dirait un gros gay. T'es où? Dehors. Viens voir, on dirait un gros gay. Avec sa petite main et tout. Ah oui, alors c'est là. Il y a la police. Non. C'est la police. T'as mis tes armes dans ton inventaire? Oui. Vas-y, bah nickel. Bah, on peut les ouvrir. Monsieur, c'est une œuvre d'art. Ici, c'est pour exprimer la violence de dans le monde où on vit. Et ici, c'est pour exprimer l'amour, voyez-vous. Les deux mentins. C'est quoi ça? Ça, pour l'instant, je sais pas. Bonjour. C'est des pantins. Qu'est-ce qui se passe de beau, monsieur l'agent? Bah écoutez, monsieur, c'est vrai que mes œuvres d'art sont un peu trash. Mais c'est pour exprimer l'horreur de la vie. Ah, je comprends. Que me vaut le plaisir, messieurs l'agent. Bonne fin de journée, monsieur. D'accord. Au revoir. Bonne journée. Attention. Attends, regarde. Est-ce que tu crois que le mec il est à droite ou pas? Regarde, il va sortir avec sa voiture à droite, mec. Je crois que je l'ai entendu à droite. Il est pas passé à droite? Si, il est là. Alors, comme ça, coucou. Vous êtes parti. Ok, je me range. On peut pas faire de la weed ici tranquillou en fait. Mais ouais, mais t'inquiète, j'ai mis des sécurités et tout. J'ai du mis coup, des tourelles automatiques. Ah, viens me le mettre en bas, viens me le donner en bas. Oh. Waouh. Il y a assez de munitions ou pas? Oh oui. Entité, alors. Déjà, il nous faut. Alors, il faut. Bah, blueprinter. Faire des printers. Tu veux printer en même temps? Bon, ouais, en même temps. Vas-y.
J'ai entendu un mec marcher. C'est okay, peut-être les sons du serveur. Non. Ah. Il y a un mec qui est autour de chez nous. T'es sûr? Ouais, je veux entendre derrière la maison. Je l'ai vu là par la fenêtre, il a les sauté. Les poches sont vides, comment ça se fait? Quoi? Dans ton inventaire, regarde inventory pick-up. Ah. Il est là, j'entends un mec. C'est la police! C'est la police! T'es sûr? C'est la police! mais rien! Dans ton inventaire. Mais rien, y'a la police, mec! Je sais pas qu'est-ce qu'il fout là, mais y'a la comment police! Fout dans son inventaire? Drop. Slash drop? Ouais. Et tu mets ça dans inventory pick-up? Nickel. Inventory pick-up, prends l'inventory pick-up et pas le pocket. Viens, mais on a rien fait, on peut partir ouais, tranquille. Ouais, on a rien fait en fait. Ouais. Regarde, je l'ai vu derrière le mec. Regarde, il est là. Tu vas là. Et tu regardes autour, tu vas voir un mec. J'ai vu un putain de policier, mec. Bah viens, on va le voir. Bah ouais. Pour l'instant, on a rien fait de mal. Hein. Bah ouais, on a pas d'armes. Attends, j'ai eu un message. Bonjour. Oui, bonjour. Que se passe-t-il? Monsieur, on voudrait faire une fouille dans les maisons du quartier car on a entendu des tirs. Et des bruits suspects. D'accord, bah oui, vous voulez. Allez-y, rentrez, je t'en prie. Attendez, je vais attendre les deux secondes. Allez-y. Ah oui, il faisait beaucoup. Beaucoup à être attiré. Vous avez un air bien bizarre quand même. Bah écoutez, on essaie de faire des travaux comme on peut, hein. On n'est pas portugais de naissance. Hein. Il y a une vieille remise qu'on a condamnée, enfin il n'y a rien dedans. Vous voulez quand même aller voir? D'accord. Ah oui, on veut y aller. Vous voulez faire quelque chose? Oui, attendez, alors attendez, là attends, je dois toquer sur le mur, attendez. C'est bon, normalement la porte s'est effondrée. Alors, voilà, c'est un escalier, enfin tout basique, hein. On a condamné dessus parce qu'on a peur de ce genre de truc. Ouais, il n'y a rien. Hein. C'est vide, hein. C'est vrai qu'ils vont revenir 15 000 fois, ça va être chiant. Bon, on a prévu de mettre quelques meubles en bas, évidemment. Mais, histoire de stocker un peu nos meubles qui est encore pas dû dans dire la ça, garage. Mec. Parce que je sais qu'ils vont revenir, c'est abusé, mais tu vois, j'ai une technique. On va mettre des meubles, mais on va les mettre des trucs dedans. Vous en mettez plus longtemps, on va y aller, nous. Ça d'accord, bonne journée, au revoir. Ouais. J'ai une putain d'idée, mec. Ou alors, encore mieux. On va dans une autre maison. Ouais, on fait genre qu'on est ici, mais en fait, le truc, ça sera dans une autre maison. Non, c'est relou, il n'y a pas de maison à côté. Ouais, c'est trop loin. Dans les toilettes. Gaffe, les gars. Parce que ouais, je sais, ils sont sur notre dos. Bah ouais, ils sont sur notre dos et on va essayer de les brain. Ils préventent tout contre vous. On va essayer de les brain, t'inquiète. Bon, là, faut trouver un moyen de faire ce qu'on veut, okay. Sans être pris. Comment on va faire? Là, il nous surveille. ou alors carrément, je mets carrément une grosse barricade devant la maison. Comme si on était un gros gang de ouf. Gros, comme ça, on pourra pas les entendre. Ouais, ils pourront pas regarder chez nous. Ok, j'ai une vue d'ensemble. J'essaie de la reproduire à l'intérieur. Oh putain, le piqué ouais, et tout, mec. À côté. Ouais, t'as vu. Au pire, viens, on fait rien du tout. Comme ça, ils auront les boules après. Vas-y, ouvre là. Non, ouvre pas. Okay. Il y a les flics et les mafieux là-bas. Ah. Les mafieux qui s'approchent. Mec, tu penses qu'ils sont de mèche? Ouais, non, en fait, c'est les raids. Bah, on a rien fait, hein. Au pire, viens, on les refait rentrer parce qu'on fait rien. Bah, s'ils nous demandent quelque chose. Il y a la voiture et tout. Ah ouais? Oui. Bonjour. Oui, monsieur. Monsieur. Oui? On a eu des voisins qui sont venus nous plaindre au commissariat. Pourquoi? Ils en avaient marre de votre palissade, ils entendaient plein de bruits chelous. Des bruits chelous? N'importe quoi, on fait absolument rien. On fait rien du tout, monsieur. C'est mon voisin en face, vous allez voir après. Bah, on a le permis de construire, monsieur, hein. Oui. On a le droit à tout. Et monsieur, ouvrez, puisque. C'est une grande palissade que vous monsieur, ça faisait. Vous la regardez? On deux fois quand même, c'est sûr. C'est quand même deux fois que vous venez, hein. Allez-y, entrez. Je vous en prie. T'as fait tomber. C'est comme suspect tout ça. Bah oui, c'est d'accord. Pareil, hein, c'est mes œuvres d'art que j'ai exprimées au monsieur avant. Ah oui, parce que oui, il gagne cet argent comme ça. Hein. Il fait des expositions d'art. Et beaucoup de personnes achètent, mine de rien. Ils sont bizarres quand même. Hein. C'est pour exprimer la violence de la société. Regarde partout sur le toit, c'est un truc de ouf. On a rien fait, on s'en fout. C'est normal que la main a bougé là. Oh, j'ai un col sur moi. Oh putain, reste derrière, de toute façon il y a pas le droit de nous fouiller. T'es sûr? Bah écoutez, on a changé de cadre. Un autre cadre là. Oui, c'est un cadre shakespearien. Exprimé en 1592. Avec son doigté de fée qui fait que le. On dirait que le tableau bouge.
Alors qu'au final, non. Vous voyez, c'est beau. Nous sommes des experts d'art, vous savez. C'est une illusion d'optique. Effectivement, c'est une illusion d'optique. Monsieur, vous pourrez ouvrir ce mur? Oui, bien sûr. Allez-y, entrez. Y'a rien dedans, mec. Attends, je leur envoie un message. Ouais, oui, bah au final, ça met un peu à rien les murs en bas, du coup, on les a enlevés. Ouais. Ouais. Ça faisait un peu tâche. On aimait pas trop. Bon, messieurs, on va pas vous embêter plus longtemps. Au revoir, messieurs et mesdames. Mais casse-toi, reviens pas. Je cherche comment on va faire ça. Elle est où la voiture? Elle est pas dans le garage, elle est juste à l'extérieur. Ah, ok, on va la laisser. J'ai la flemme de la rentrer. Si tu veux, je peux la rentrer ou le garage. Non, la laisse dehors, la laisse dehors. J'ai une idée. Oi, j'ai une putain d'idée. Ouais. Salut. Salut. Viens voir dans le garage. Non. Comment... Mec, t'es... Oh, non. Ouais. Ah ouais. C'est génial, hein. Putain, mais putain, c'est quand même pas mal. Bah alors. Ouais, alors. Lui, il nous faut faire les printers. C'est lesquels printers qui a pas besoin de maximum genre de. Attends, ça s'appelle c'est Gold Printer et Silver Printer. Après, tu serais prêt à nous donner combien? Bah, là, j'ai 200 000 sur moi. Donc, au pire. Hein. 200 000 sur toi? Ah ouais! Sur moi, d'accord, en banque, j'ai 11 millions. D'accord, ok. Bah, tu. Ouais. Bah, tu aimes ce que tu veux, hein. Super. Excellent. Non, on a même pas 100 000, 200 000 sur notre compte en banque. Vas-y, attends, essaye de te mettre en haut pour voir ce que ça donne. Ferme le pote pour vous. Donc là, il y a une première moitié, l'autre moitié pour le deuxième. Il m'a donné 100 000. À moi, pour moi, à moi. Merci. À moi. À moi le deuxième, il a dit. Attends, ferme. Ok, non, on voit pas les noms. J'aurais poché les printers, là. Ouais. Ah, ça, c'est gentil, ça. Merci. Alors ça, Baco. Si tu veux le mettre le tien, vas-y, hein. Bah là j'ai plus de tout sur moi donc pour l'instant non. Ah bah écoute hein. Ah bah où? Merde, c'est qui? C'est la police. Y'a la police. Y'a la police. Bonjour monsieur. Tu peux aller les voir ou quoi? Bonjour monsieur. Ah nous sommes portugais et nous sommes des artistes contemporains. After, je les range en dessous ou pas? Range-les en dessous. Par contre, faut que je les recharge. J'essaie de recharger très vite. Il y en a, il est recherché par la police. Bah ouais, monsieur, hein. On est plus à l'abri, hein. De toute façon, on a rien à cacher. Portugais devait être bourré. Ouais. Sans doute. Bonne journée. Au revoir. Merde. On a eu super chaud. Avant que t'aies tenté. Ouais, tu leur as dit quoi pour Cuba? Bah rien, je leur ai dit ouais, on est portugais et tout, nous sommes des artistes contemporains, ils ont fait ok, hein, ça va. Je t'ai acheté une bombe de gaz. J'ai pas fait exprès. Pourquoi est-ce que on a fait des printers alors qu'ils nous avaient donné 100 000? Bah parce qu'en fait il fallait qu'on achète des printers, du coup il nous a donné de la thune, on allait pas lui demander, on peut juste avoir de la thune. Il allait pas lui dire ça. Parce qu'en vrai, mec, moi c'est bon, j'ai remboursé les 100 000. C'est 300, c'est ça? Mec! Quoi? Mais par contre... Je sais pas, il y a une voiture. Voiture, c'est le raid. C'est le raid. Cache tout. Pocket, go pocket.
Pocket, tu prends tout dedans, On va se cacher, après je peux les tuer ou pas? Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais essayer, je vais essayer de discuter via Discord avec Tristan. Et pourquoi vous comptez des grandes murailles comme ça? Parce que il y a la police, donc vos collègues sont venus plus tôt pour nous dire qu'il y avait des personnes armées aux alentours. Du coup, on s'est dit, autant faire une muraille, vu que j'ai mon CAP petit portugais. Monsieur, sinon vous pouvez appeler la police, hein, monsieur. Vérifier, tu vois. Ah, ils nous ont dit qu'ils étaient très occupés, et c'est eux-mêmes, vos collègues qui nous ont donné cette astuce de faire, évidemment si on avait notre CAP portugais, de faire des murailles, comme ça, ça allait être beaucoup plus facile, mais vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous êtes quelle personne que vous êtes? Quelqu'un de lourdement armé, comment on était? Ah, à ce qui paraît, ils étaient lourdement armés. De qui? Les policiers ou les mecs, ils étaient armés? Est-ce que... j'ai que 60. Les mecs, les deux. Ah, non, ils étaient 4 quand ils sont venus. Attends, je peux en acheter? Mais c'était il y a plusieurs heures, donc je crois qu'ils sont partis. Ils ont été migrés dans un autre pays. Ah, d'accord. On va vous laisser tranquille. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Ils rentrent ou quoi? Non, c'est bon. En vrai, mec, c'était super chaud parce qu'ils disaient, ouais, c'est qui les gars, quels sont les noms des policiers qu'ils ont dit, ça et tout. Bah, en gros, ils m'ont demandé pourquoi j'avais ça et j'ai fait genre que c'était les autres raids de tout à l'heure qu'ils avaient dit de les mettre. J'ai dit que j'avais mon CAP petit portugais et ils ont dit, ok, bah écoutez, pas de soucis, on s'en va.